J'ai eu mal au cœur et je suis parti à l'hôpital. Quand je suis parti, je n'ai pas eu de solution. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai été guéri. Je sentais des fourmillements. Et lorsque je suis parti à l'hôpital, ils m'ont prescrit des médicaments, mais zéro. Et le mal surgissait à partir de 2 heures du matin. Donc 2 heures, je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à dormir. Je ne savais plus comment j'allais faire pour être guéri. C'est dans ce sens, j'ai appelé ma grande soeur et elle m'a dit de venir à Divo. Et lorsque je suis venu à Divo, vraiment, j'ai été restauré. Raison pour laquelle je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci, merci, patron. Parce que quand je venais ici depuis 8 ans, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas me coucher sur une natte, je ne pouvais pas me laver avec de l'eau froide. Mais dès que j'ai reçu les prières de l'homme de Dieu, en tout cas mon corps a été restauré et j'ai retrouvé ma mémoire et je suis en paix. Que ce ministère soit béni au nom de Jésus. Amen. Je suis arrivée ici, ça fait ma 3e semaine. La première semaine, j'ai reçu le miracle. Parce que quand je venais, j'avais une béquille, je ne pouvais pas marcher. J'agonisais même. Et la première semaine, j'étais accouchée là-bas, j'ai reçu l'onction de Dieu, j'ai déposé la béquille. La deuxième semaine passée encore, en tout cas, franchement, ça allait, bon, ça allait petit à petit. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me sens mieux, oui. Seulement que j'ai un peu de lourdeur dans les jambes, mais ça va, j'arrive à me déplacer. Et aujourd'hui, je suis là. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, des choses mystiques. Moi, je travaille en douane. Je travaille au port. Je suis du côté de la vente aux enchères. J'ai été suspendue des primes de vente plus d'un an, presque 2 ans. Et avant-hier, j'étais dans la prière ici. Et quand je suis montée, j'ai vu les appels de la douane. Je dis, ah, qu'est-ce que ceux-là me veulent encore? Et je rappelle, on me dit, ah, mon oncle Wali, ça a été restauré, hein? On a levé la suspension. Je suis venue, j'ai fait un tour au pasteur. Vraiment, j'étais vraiment contente. Vraiment, merci. On attend l'offrande. Ah, non, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi-même, là, on est déjà lié à domicile ici. Et puis, on vient de la table. Parce que je vais de miracle en miracle. Amen. Vraiment, merci, tu vois, pasteur. Mais papa est prophète. Mon témoignage, quand je venais ici, vraiment, mon ventre me faisait très mal. Je suis venue avec ma fille, et par la prière, le prophète m'a localisé par le Saint-Esprit et il a prié pour moi, mon ventre, la douleur, ça va. Donc je remercie Dieu et je remercie papa prophète. Amen. Amen. Mon témoignage en ce jour, c'est un témoignage de remerciement pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie. Quand je venais ici, ma fille était dans la sorcellerie, rien n'allait dans ma vie. J'étais malade. Quand je suis arrivée ici par les prières, aujourd'hui je vais bien, je me sens bien, j'arrive à transpirer. Avant, je n'arrivais pas à transpirer, il n'y avait pas d'eau dans mon corps. Quel que soit ce que je fais, il n'y a rien. Mais ici, quand je suis arrivée par les prières, quand je fais un peu d'effort, l'eau coule. En tout cas, je sens la guérison. Je me sens libre à partir d'aujourd'hui. Et ma fille aussi a été libérée. Je rends grâce à Dieu. Je vous dis merci. Et je rends toute la gloire à l'Éternel. Amen.